C'est ici la ferme Barberin? Oui, monsieur. Ta mère est là? Elle est à la maison. La voilà. Merci, petit. Tout ce que je peux vous offrir, c'est une tasse de chicorée. C'est pas du café, mais au moins c'est chaud. Vous dérangez pas. C'est tout ce que j'ai pu encore trouver dans l'étable, Lucette. Mais t'inquiète pas, le printemps va revenir et tu la retrouveras, ta bonne herbe. Il y a un homme qui vient d'arriver que je connais pas. Et toi? Rémi! S'il te plaît, tu peux amener la roussette jusqu'ici? M'a pas l'air bien vaillante, votre vache. Je suis retournée à la maison, mon chéri. J'ai plus besoin de toi pour l'instant. Hein? Alors? Vous trouvez que ma roussette n'est pas assez vaillante, c'est ça? Vous m'avez vu ses pieds? Et ce cou trop court? De toute façon, c'est pas avec ses pieds qu'elle donne du lait. Je regrette, mais je peux pas vous en offrir plus de 100 francs. 100 francs pour ma roussette? Mais sur le marché de Chavarnon, j'obtiendrai au moins le double de cette somme pour ma vache. 100 francs? Pas davantage. Attends-moi, Rémi. Attends, Rémi. Attends-moi. Ne pleure pas, mon petit chéri. Je pleure pas. Sois pas triste. Je sais très bien tout ce que tu peux ressentir. Ça me fait de la peine de te voir pleurer. Je suis sûre que tu veux pas qu'on pleure tous les deux. Je comprends pas pourquoi fallait la vendre. Écoute-moi, mon chéri. Le père Barberin, en travaillant à Paris, s'est blessé sur son échafaudage et il peut plus faire son métier de maçon. Tu comprends? Il a dû donner tout son argent au docteur pour se soigner. Il doit maintenant revenir à la ferme. Allez, viens, on rentre. Tu vas prendre froid. Qu'est-ce qu'on fera plus tard sans roussette pour le beurre et le lait? Oh, à chaque jour suffit sa peine, mon petit gars. Et qu'est-ce que tu dirais si on se faisait des bonnes crêpes, hein? Tiens, va m'éplucher ces 3 jolies pommes. Mais tu fais une peau fine, fais attention. Gustave! De retour. Tu vois, j'ai plus rien à faire à Paris. Là, vous vous embêtez pas, tous les deux. Vous gavez de crêpes. Pendant que moi, j'ai jusque la mort à Paris. Allez dehors, Faust! Demain, je le conduis à l'orphelinat. J'ai faim et soif, moi aussi. Sûrement pas. Moi, j'ai besoin de lui à la ferme. J'ai dit à l'orphelinat. Quand on écoute aux portes, on est privé de souper, jeune homme. Allez! Et je t'en vois plus, hein? Quelque chose de nouveau à Paris pour le petit? J'ai encore fait écrire au commissariat, là où on avait trouvé l'enfant. Amené de Breteuil, un quartier de riches. Ah ben, riche ou pas riche, personne n'est venu réclamer l'enfant, personne. Ça fait 10 ans. J'ai perdu espoir. Tu comprends ça, mère Barberin? Ses parents, ils ont disparu à jamais. Comment peux-tu dire de telles horreurs? Tu as tort de dire ça. En plus, j'ai vendu la roussette pour qu'on puisse tenir le coup. Et de toute façon, un jour, tu finiras peut-être par guérir aussi. Eh bien sûr que je vais guérir. Mais en attendant, je travaille pas. On n'a plus d'argent. Alors, le fait de vendre l'enfant plutôt que la vache. Ça vient rester une bouteille à la cave, non? Vos services de la préfecture de police de Paris ont écrit cette lettre à ma belle-sœur, la comtesse Johanna von Strausberg, qui, souffrante, m'a demandé de la représenter. Oui, en effet. Madame Strausberg nous a de son côté beaucoup écrit, énormément écrit. À une époque même, nous avions d'autres soucis que de rechercher des enfants prussiens égarés sur notre territoire, si vous voyez ce que je veux dire. Je crains que non. À une époque où, sur notre territoire, nous estimions qu'il y avait peut-être un peu trop de Prussiens en uniforme et qui tardaient à rentrer chez eux. Mon neveu était bavarois. Ah,
bavarois. Nous avons peut-être une piste. Une lettre que m'a transmise notre commissariat de l'avenue de Breteuil. Un maçon nommé Barberin, voyons voir, et qui avait trouvé sur un perron de l'avenue de Breteuil, nous y sommes, oui, un nourrisson pratiquement mort. Pratiquement ? Pratiquement mort, c'est cela, en janvier, bien avant cette déplorable guerre entre nos deux pays. Vous permettez ? Oui, il y a là tous les renseignements, l'adresse du maçon, l'enfant pratiquement mort confié à sa femme dans la Creuse en janvier. J'ai bien peur qu'il s'agisse d'une fausse piste. Mon neveu avait disparu cette année-là, en février. Pourtant, Madame Strasberg... La comtesse von Strasberg. Nous avait parlé du mois de janvier dans ses lettres. Bien, permettez-vous d'emporter cette lettre et de la lui montrer. Avez-vous une procuration? Une procuration? Ma belle-sœur aurait dû penser à ça. Elle est si bouleversée. Mais je ne doute pas de votre compréhension. Merci. Rémi ! Rémi, je t'attends ! T'en fais pas la mère, j'ai réfléchi. Et si la mairie nous donnait une pension, faut élever le gamin. Hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Je vois ce que je peux faire. Mais avec tout ça, t'as rien dans le corps ce matin. On s'arrêtera au café. Allez, tu viens, Rémi. Et moi aussi, je l'aime bien, ce petit. Il va tourner. Alors, t'es tombé dans l'échafaudage ? Eh ben, t'es bien arrangé. Allez, viens, joli cœur. Je vous demande, jeune homme, d'excuser le sans-gêne de mon compagnon. Votre compagnon ? Il s'appelle Joli Cœur. Pour vous servir. N'est-ce pas, Joli Cœur ? Joli Cœur ? Et toi, tu fais quoi ici ? C'est qui, lui ? Un drôle de client. Pour le gosse, la mairie, elle donnera rien. Oh, c'est sûr. Avec tous les orphelins qu'il y a depuis la guerre, on n'en finirait plus. L'orphelinat, c'est la seule solution. Il travaille pas, il mange, il grandit, il faut l'habiller. Bouge pas, attends, on va lui. Une ruine. C'est cet enfant-là qui vous gêne ? Parce que... Parce que moi, je me disais... Vous disiez ? Non, rien, rien. Je me disais que cet enfant-là pouvait me rendre quelques services dans mon métier. Hé ! Hé ! Quel métier ? Artiste. Voyez-vous ça ? Et vous devriez me prendre cet enfant qui travaille à la ferme, qui aide, qui est courageux, qui ne rechigne pas à la besogne ? Qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller. Et vous avez pensé à la douleur de ma femme et à la mienne s'il fallait le quitter ? Allez, 50 francs. Non, 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 enfin, je dois prévenir Monsieur Fontaine. Mais attendez ! Qui est le malheureux ? À qui cet objet a été volé ? Vous, Monsieur von Strasberg. En personne, Charles. Vous, depuis tout ce temps. Que signifie, avec, comme vous, le plaisir de... Le plaisir? Je ne parlerais pas de plaisir si j'étais à votre place, mon cher Charles. Bonjour, petite. Je vous présente ma nièce, Lise. Tu peux saluer, Monsieur Lise. Et aller te coucher. Bien. Ma nièce est muette. Elle est devenue muette après la mort de ses parents dans un incendie. J'ai dû la recueillir. Elle a survécu.
les enfants auprès de vous survivent. N'est-ce pas, Charles? Je comprends pas. Et les cambriolages en région parisienne, ça vous rapporte toujours autant? Venez voir. D'habitude, ça plaît beaucoup en Allemagne. Admirez. Je ne suis pas venu pour admirer. Je ne suis pas venu pour le plaisir. Je vous l'ai déjà dit. Mon cher Charles. Est-ce que je peux toujours vous appeler mon cher Charles? Où voulez-vous en venir? À ceci. À cette lettre. Adressée à ma belle-sœur. Voilà, la mère de l'enfant. Lisez et répondez-moi. C'est un miracle que la facture m'ait remis cette lettre à moi. Il semblerait que la police ait retrouvé trace d'un enfant qui aurait été abandonné il y a 10 ans à venir de Breteuil. Et vous m'avez toujours affirmé que l'enfant était mort quand vous avez atteint Paris, n'est-ce pas? Pratiquement. Pratiquement? Ben oui, pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement en français? Qu'il était pratiquement mort de froid quand je l'ai abandonné quelque part dans Paris. Avenue de Breteuil, peut-être? Mais peut-être, je sais plus. Et s'il n'était pratiquement pas mort, je ne serais pratiquement pas encore l'héritier de la fortune familiale. Et cela expliquerait sans doute cette lettre, non? Il s'agit peut-être d'une coïncidence. Rien ne prouve encore que... Rien ne prouve encore que vous avez raison, Charles. Rien ne prouve encore que... Mais je vous ai déjà payé autrefois. Et très cher. Pour un contrat que vous n'avez pas rempli. Et j'exige que vous le finissiez. Que je le finisse. Vous comprenez? Que je le finisse. Tiens, je sais à qui donner ce bijou. Eh ben tu vois, pour pas perdre espoir, Rémi est encore là. Tu en pourras même... On va même avoir un petit capital pour lui. De la part de la mairie pour son éducation? Et pourquoi pas? On va arroser ça. Il y a le patron de l'auberge Notre-Dame qui m'a promis une bouteille d'oignol. Va me la chercher, la mère. Tout de suite? Ben oui, tout de suite. Allez, dépêche-toi. Avec le café, ça va bien, la goutte. Rassemble tes affaires tout de suite et tu descends. Et dépêche-toi. Où est maman? Quelle maman? Allez, tes affaires, on obéit. Mademoiselle Dodge, monsieur Capi, monsieur Zerbino. Et vous, monsieur Jolicoeur. Vous m'attendez là, vous ne bougez pas, compris? Nous sommes toujours d'accord? Je vous le donne, cet enfant. Mais veillez sur lui. Vous me le donnez. Rémi, tu vas me suivre, ce monsieur. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre avec lui. Non! Monsieur ou l'orphelinat, tu choisis. Voilà ta mère. Allez, viens, mon garçon. Oh! Oh, mais voilà un garçon qui rapporte. C'est que je ne veux plus qu'il me quitte, moi. Ah, oh, mais non. Oh. Allez, je t'attends. Alors, tu y vas? Je pars pas sans ma mère. Tu t'appelles comment?
Il s'appelle Rémi. Je m'appelle Vitalis. Signor Vitalis. En italien, signor, ça veut dire monsieur. Je t'emmène parce que... parce que j'ai besoin de toi. Mais t'avises pas de t'enfuir, hein. Il a des dents très pointues. Il aurait vite fait de t'en rattraper. Regarde. Rémi. Où est Rémi? Il est là, ton Rémi. Regarde comme il brille. Tu veux dire que tu as osé le vendre? Tu as vendu Rémi? Mais tu n'avais pas le droit de faire ça, c'est une honte! Rémi! Pleure si tu n'as envie. Mais tu sais, allez viens, tu sais, à l'orphelinat, t'aurais été bien malheureux. Mais pourquoi l'orphelinat? La mère Barberin, c'est ma mère, c'est... Mais le père Barberin est estropié, il travaille plus. Il peut pas se laisser mourir de faim pour te nourrir. Hein, en avant. Je t'achèterai des chaussures à la prochaine ville. C'est vrai? Des chaussures comme les monsieur? J'ai jamais eu de chaussures. Je n'ai jamais eu. Vous ici encore? Pour vous servir, ma chère Joanne. Me servir? Oui. Et pour vous offrir ces bijoux, je le crois digne de vous, de votre teint, de... Il est magnifique, il est... Mais je vous connais, Georg, vous n'offrez jamais rien, vous achetez. Que prétendez-vous acheter avec ces bijoux? Moi, rien. Ou plutôt si. Votre guérison. J'aimerais bien acheter votre guérison. Ma guérison, quand vous y allez, si seulement... vous voyez... Je ne parle pas de vos branches. Combien de temps vous allez vous torturer de la mort de votre fils? Je crois que c'est vous qui me torturez, Georg. Non. Je ne veux que votre bonheur. Et mon bonheur à moi, c'est d'attendre la réapparition de mon fils. Je vous en prie, Joanna. Cela fait 10 ans. 10 ans que votre fils a disparu. Affrontez la réalité. Quelle réalité? Je ne connais qu'une réalité. Mon fils a disparu, alors il peut bien réapparaître, non? Non, Joanna, non. Pas depuis ce temps. Et cet homme qui avait été aperçu avec un bébé, il a bien existé, lui? Quel homme? J'aimerais tant vous aider. J'aimerais tant que vous soyez heureuse pour la mémoire de mon frère, qui était votre époux, et qui voulait lui aussi votre bonheur. Et pour vous, Joanna... Pour moi? Pour vous. Que votre bonheur. Vous êtes en voie de guérison. Votre médecin vient de me l'affirmer. Vous devriez regagner la Bavière tout de suite. Avec vous, sans doute. Avec moi, sans moi. Aucune importance. Vous devriez changer d'air. Regagner votre pays d'enfance, votre château, votre parc. Votre médecin me l'a dit. Il ne m'a jamais dit ça. Il vous le dira, Joanna. Il vous le dira. Vous n'avez jamais rien compris. Ce que je veux, c'est mon enfant. Et alors seulement, je guérirai. Un enfant? Vous êtes belle. Si belle. Un enfant. Vous aurez encore un enfant. Que voulez-vous dire? Eh bien, peut-être que nous, un jour. Nous? Vous me faites...
Partez, Gaïdor. Partez, je vous prie. Vous avez aimé mon frère quand il était en vie. Je suis en vie. Ne me demandez pas de désespérer. Tiens, mon garçon, va voir si on est loin de Chali là-bas. Tu vois la pancarte? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ça doit être écrit là. Bah, tu sais pas lire? Non, je sais pas. Personne t'a appris? Vous entendez ça? Vous entendez ça? Il sait pas lire. Je t'apprendrai, moi. C'est impossible, c'est trop difficile. Viens! Qu'est-ce que tu fais? Viens! Je t'ai dit, viens! Monsieur, que vous faut-il? Veste, gilet, redingote, pantalon, culotte, chemise, guêtre, bottes, chaussettes, juste au corps, casquette, chapeau, robe de chambre, nous avons tout ici. Premier choix, second choix, sur le premier choix du second choix, sans oublier bien sûr le sur-mesure. Des souliers pour le jeune homme. Des souliers, parfaitement, des souliers. Bottes, mocassins, richelieu, sandales, brodequins, mules, pantoufles. Des souliers ferrés. Comme ceux qui en vitrine. Des souliers ferrés, évidemment, bien sûr, parfaitement, des souliers ferrés. Et si ce jeune homme veut bien s'asseoir sur cette chaise, voilà, excellent choix. Des souliers ferrés comme autrefois. Nous avons de beaux souliers ferrés. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Des souliers qui vous font une vie, des souliers ferrés de cette qualité. Enfin, si ce jeune homme ne grandit pas trop vite, bien sûr. Permettez que je retire vos sabots. Ils sont un peu grands, mais avec de bonnes chaussettes. En plus, vous aurez moins froid. Vous savez, c'est important, les bonnes chaussettes. On s'enrhume par les pieds, hein. Attention. Tiens, essaye ça. Oui, oui, voilà, j'arrive. Si vous le permettez, bien sûr. Mais parfaitement que je le permets, des vêtements de roi, de prince. Voici, jeune homme, essayez, levez votre bras. Voilà l'autre. Mais qu'est-ce que je disais, un prince, un roi? Et quel est votre royaume? Voilà. Tu dois pas ressembler à tout le monde. Comment ça, à tout le monde? Ni un roi, ni un prince, ni à tout le monde. Tu ne dois pas ressembler à un Français. Je t'habille en italien. Ah, en italien, ah. Parfaitement. Hein. En italien. Ah, la plume, oui. Nous devons, toi et moi, provoquer la curiosité. Nous sommes des artistes. Des artistes, parfaitement. Ces messieurs sont des artistes. Je me disais aussi, en vous voyant entrer dans le magasin... Les artistes ne sont jamais bien riches. Je vous dois combien pour le tout? 10 francs? Enfin, peut-être. Je suis pas un artiste, moi. Je suis Vitalis. C'est quoi un artiste? Être artiste, c'est être généreux. Va pour 8 francs. Tous les artistes que vous avez employés, vous les avez habillés comme ça? J'ai jamais employé personne. T'es le premier. Le premier? Mais pourquoi moi? Ah, ça, j'aimerais bien le savoir. Peut-être parce que je vieillis et que j'ai besoin de toi. Mademoiselle Dolch, voulez-vous montrer à Rémy ce que vous savez faire? Roulez! Roulez, c'est bien. C'est bien, encore une fois, s'il vous plaît. Mademoiselle Dolch, s'il vous plaît. Je vous en supplie, j'aimerais que vous fassiez encore voir à monsieur Rémy. Voilà. Voilà, merci, mademoiselle Dolch. Et maintenant, monsieur Zerbino, à la place, s'il vous plaît. Allez voir là-bas si j'y suis, Zerbino. Et plus vite que ça! Oui, revenez, monsieur Zerbino, revenez, monsieur Zerbino. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur Zerbino? Mais qu'est-ce que... Monsieur Zerbino, vous êtes fait mort par un mouton. Regardez. Oh, ah, ah. Merci, monsieur Zerbino. Et maintenant, danse et musique. Mademoiselle Dolch, voulez-vous, s'il vous plaît, danser avec moi? 1, 2. La 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 la. La 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 la. Vous chantez bien, vous êtes un vrai chanteur? Moi?
Un chanteur. Ça vous regarde pas, jeune homme. Un chanteur, moi. Oh. Avec ma voix si raillée. Moi, un chanteur. Non, moi, je suis un musicien un peu montreur de chien, un peu clown. Tiens, toi, tu seras le partenaire de Jolicoeur. Hein? Je vais t'apprendre le numéro des puces. Des puces? On joue pas avec des puces? Mais dans la comédie, tout est possible, Rémi. Tout! Les vraies puces, les fausses puces, les bergères qui épousent les empereurs, et les vieux comme moi. Vous n'êtes pas si vieux? Merci, Rémi. Sur la grande place, à la tombée du jour, Monsieur Rémy, mesdames et messieurs, les honorables habitants de cette belle cité, grande représentation que nous aurons le privilège de vous donner ce soir avec l'illustre général Jolicoeur. Mes respects, mon général, quelques chiens savants qui ont fait le tour de l'Europe et le jeune comédien Rémy à la veille d'une grande carrière internationale. Et enfin, votre humble serviteur. Mesdames et messieurs, ce soir, danse, musique, acrobatie et enfin, notre illustrissime pantomime avec la participation exceptionnelle, je dis bien, exceptionnelle, de notre ami Germain. J'en dis pas plus, à ce soir, saluez Monsieur Rémy. Merci. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Vous êtes Madame Barberin? Oui, monsieur. Marié, il est là? Non, il est sorti. Il est à l'hôpital. Excusez-moi, madame. Avez-vous à la ferme un enfant qui a été retrouvé par... Vous n'allez pas me dire qu'il a fait une bêtise, j'espère, hein? Je ne vous dis rien de tel. Où est-il? Attendez, comment ça? Je vous demande où est cet enfant. Vous êtes de la police? Je cherche cet enfant. Cet enfant qui n'est pas votre enfant, si mes informations sont exactes. J'ai élevé cet enfant comme si c'était mon propre enfant, souhaitant qu'un jour sa famille réussisse à le retrouver. Est-ce que vous êtes de sa famille? Je procède à des vérifications. Des vérifications, rien de plus. Quel genre de vérification? Il n'est plus ici. Il est parti. Parti? Mais parti avec qui? Mais j'en sais rien du tout. Il est parti à l'aventure sur les routes avec un bohémien, un comédien, je crois. Moi, j'étais contre, mais c'est mon mari. C'est mon mari qui a voulu le vendre à ce comédien. Et comment il s'appelait, cet homme? Comment voulez-vous que je le sache? C'est un vieil homme qui possède un drôle de petit cirque avec plein d'animaux et toutes sortes de choses. Monsieur? Monsieur? Au moins, il aurait pu dire son nom. Alors? Disparu, envolé, parti à jamais sur les routes avec un bohémien. Il a cessé d'être une menace, hein? Un enfant est toujours une menace. Il est vivant, donc il est une menace. Si la police reprenait son enquête, si sa mère le retrouvait un jour, alors tout serait perdu. Vous comprenez? Pour moi et pour vous, Charles. Mais là, il a disparu, là, il a complètement disparu. Vous pourriez disparaître aussi. En prison. Et votre nièce, elle pourrait disparaître à son tour et réapparaître. Une petite fille incapable d'appeler au secours si un danger arrive. Mais
Lise n'a rien à voir. Vous devez retrouver l'enfant et terminer le contrat d'il y a 10 ans. Vous me ferez prévenir. Nous sommes d'accord, Charles? Hé, attends-nous! Dépêchez-vous, allez plus vite! Bien! Merci. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous nous présenter, s'il vous plaît, votre camarade Germaine? Merci bien. Germaine, mademoiselle Germaine, bonjour. Bien entendu, vous avez tous reconnu en Germaine une puce européenne, Pulex, diptère, anadiptère, de l'espèce des pulicidés. Et au demeurant, grand ami de l'homme. Monsieur Rémy, s'il vous plaît, voulez-vous m'apporter, s'il vous plaît, la boîte de mademoiselle Germaine, qui n'est autre que sa résidence secondaire. Monsieur Rémy, s'il vous plaît. Monsieur Rémy, mademoiselle Germaine a froid, elle s'impatiente. Ah. Excusez-moi. Merci. Il était temps, monsieur Rémy. Alors maintenant, attention. Attention, je mets mademoiselle Germaine dans sa boîte. Je referme la boîte. Mademoiselle Germaine est ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez constater. Voilà. Monsieur Rémy, voulez-vous souffler de votre souffle magique, s'il vous plaît? Regardez tous. Regardez. Disparu. Mademoiselle Germaine a disparu. S'il vous plaît. Disparu. Si vous le constatez, s'il vous plaît. Dieu seul le sait. Où est-elle? Dieu seul le sait. Mademoiselle Germaine, voulez-vous réintégrer votre maison, s'il vous plaît? Mademoiselle, allez, hop, hop, hop. Mademoiselle Germaine, bon, voulez-vous laisser tranquille? Mademoiselle Germaine, s'il vous plaît, allons, 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 un peu de calme. Voulez-vous bien revenir, s'il vous plaît, mademoiselle Germaine? Hey, c'est gratuit, Jules. Je ne vous savais pas si intime avec Germaine, pardon. Peut-être a-t-elle retrouvé chez vous quelques parentes. Bonsoir, Germaine. Bonsoir, mesdames. Et bonsoir, Germaine. Germaine. C'est bien, c'est bien. Voilà. Oh. Merci. Bon appétit. Allez, à demain, les gars. C'est messieurs désir. Un peu de limonade et un peu de vin. Et combien de verres avec ça? Deux. Deux. Non, trois. Trois, bien, monsieur. Et une écuelle pour mes compagnons. Une écuelle d'eau, rien que ça. J'y arriverai jamais à être un artiste. Mais bien sûr, tu y arriveras, même si c'est plus difficile que d'être magicien. Tiens, passe-moi les gobelets qui sont là. Allez. Regarde bien. Hop là. Alors. Là, il y a 5 sous. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Je vais mettre les 5 sous dans un gobelet. Si tu trouves lequel, t'as gagné. Attention. Perdu. Tu me dois un gage. Un gage? Tu me chantes une chanson. Je sais pas chanter. Je suis sûr que si. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Oh, espèce d'imbécile! Allez, va laver les bouteilles pour rien. Tu manques un peu d'assurance, mais t'as un joli filet de voix. Attends. Je vais t'apprendre à jouer de ça. Parce qu'un enfant qui chante et qui joue de l'accordéon... Ça s'appelle un accordéon? Non, un accordéon. Et si tu joues de ça, ça devrait nous rapporter davantage. Aubergiste, l'addition. C'est 5 sous. Vous voulez gagner 10 sous? Je la mets dans un des gobelets. Vous choisissez le bon gobelet. Ils sont à vous. D'accord? Oui, oui. Attention.
À vous. Celui-là. C'est du vol. Mais non, c'est un jeu, cher monsieur. Un jeu. Aujourd'hui, vous perdez, demain, vous gagnez. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, oui. Je vais vous montrer ce que c'est que la vie, moi. Allez, dégagez-moi. Ous, dehors, la ménagerie. Tiens, ça c'est pour ton coup de pied aux fesses. Oh. Merci, monsieur. De rien. Zerbino. Zerbino. Hein? Viens là-bas. Zerbino. Zerbino. Regardez ce qu'il rapporte. Vous n'avez jamais eu d'enfant à vous? Moi? Des centaines. Des milliers. Ça compte pas, des milliers. Comment ça? Des milliers, ça compte pas. Des milliers de regards qui vous accompagnent, d'oreilles qui vous écoutent, de mains qui vous applaudissent, d'enfants qui sont heureux. Oh, ça compte pas. T'en as de bonnes, toi. Et de femmes, vous en avez eu aussi des milliers? Non. Une seule. Il m'a quitté quand j'ai quitté le métier. Et c'était quoi votre métier avant? Avant? Avant, en tout cas aujourd'hui, c'est de t'apprendre à jouer à la musique, comme promis. Mais il est tard. Oui, bah il est jamais trop tard. Faut bien faire. Apprendre aussi à lire. Allez, ouais, accordéon. Non, t'as un joli cœur, tu restes là. Je suis fatigué. Oui, mais il y a. Non, attends. Reste ici, voilà. Là, il est jamais trop tard pour travailler. Maintenant, mets ton doigt là. Et maintenant, tu pousses. Tu tires. Tu pousses, tu tires. Tu tires, tu. Non, joli cœur, là. Là, tu pousses là, do, do, mi, ah, joli cœur, ah, allez, hop, on travaille. Si je me souviens de ce bonhomme, avec ses chiens, son singe et son garçon, difficile de les oublier, ceux-là. Ils sont partis il y a longtemps? Une dizaine de jours, à peu près. Pourquoi, vous les connaissez? L'enfant. Je connais l'enfant. Dites-moi pas que le vieux, c'est un voleur d'enfants. Pourquoi pas? Bon, je vous dois combien? 10 sous. Non, 15. Ils m'ont pas payé les autres, là. Alors, comme vous les connaissez. Oh, mais je n'ai pas dit ça, mais. 15 sous. 15 sous. Tu sens cette odeur? On s'approche de la mer. La mer? Oui. Par là! Ben, elle est grande comme, comme beaucoup plus que ton pays. Et de l'autre côté? Ah ben, de l'autre côté, il y a un continent, mais alors, immense, presque infini. J'aimerais y aller. Non, mais pourquoi pas? C'est grand, ça s'appelle l'Amérique. Alors, en Amérique, il y a des grandes villes, il y a des grandes salles de théâtre, des grandes salles d'opéra. Il y a Boston, New York, Chicago. Vous connaissez l'Amérique? Mais toi aussi, tu connaîtras beaucoup de choses, mon garçon, plus tard. Puis tu penseras, avec reconnaissance, au pauvre seigneur Vitalis, le monteur de chiens. Et musicien. Et musicien, si tu veux, qui t'a appris à lire. Et qui m'a aussi appris l'accordéon. L'accordéon. Et qui m'a montré la mer, et qui m'a parlé de l'Amérique. Et qui t'a surtout appris à regarder. C'est un village? Non, c'est une ville. Une grande ville. C'est loin? 30 kilomètres. C'est quoi un kilomètre? Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Et c'est quoi un mètre?
Un mètre, c'est un pas. C'est ça, un mètre? Non, c'est un petit pas. Mais alors ça fait un petit mètre? Non, mais il n'y a pas de petit mètre. Un mètre, c'est un mètre. Toi, par exemple, pour faire un mètre, c'est trois pas. Trois petits pas. Mais c'est un grand pas, vous. T'as raison. Moi, un mètre, c'est ça. Oh. Oula! Ça, c'est un grand mètre. Mais il n'y a pas de grand mètre. Il n'y a pas de petit... Un mètre, c'est un mètre. Comme ça? Oui, mais en fait, toi, tu marches pas comme ça, toi. Toi, tu marches comme ça. Alors que tu marches comme ça ou que tu marches comme ça, bah, ça fait toujours un mètre. Non, ça fait deux mètres. Quoi? Bah oui, vous avez fait trois petits pas à moi et un pas à vous. Ça fait deux mètres. Bon, allez, en route. On a du chemin à faire. Le canal du Midi, c'est loin. Où sont les chiens? Et 39 kilomètres, ça fait combien avec mes pas à moi? 39? 39. Mais pourquoi 39 d'abord? Dis 40 déjà. 39. Puis tu m'agaces avec tes questions, hein? On a du chemin à faire. Garde ton souffle, on doit être à Tarbes demain soir. Sur la voie publique. Un désordre? Moi? Le champ de foire est fait pour la promenade, pas pour les saltimbanques. Un saltimbanque? Moi? J'ai dit dégagez vous et votre équipage. Un équipage? Moi? Pour la dernière fois, dégagez. Fort bien, mais que dois-je dégager? Je dégage de la sympathie, vous ne trouvez pas? Dois-je dégager autre chose? Vous permettez? Des rubans! Je dégage des rubans. Voilà d'un saltimbanque dehors, vous avez compris? Et ben qu'est-ce que tu fais? Et notre présentation? Mais... On joue. Mesdames et messieurs, Général Jolicoeur, voulez-vous nous présenter, s'il vous plaît, notre ami Germaine? Bien entendu, vous avez tous reconnu en Germaine une puce européenne de diptère, anadiptère, de la famille des pulicidés. Et au demeurant, grand ami de l'homme. Mais vous m'avez pas compris, j'ai dit dehors! Germaine, où est passé Germaine? Vous l'avez pas vu? Général, s'il vous plaît. Général, voulez-vous m'aider, s'il vous plaît, à retrouver Germaine? Monsieur l'agent, vous n'avez pas vu mon ami Germaine, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Mais débarrassez-moi! Taisez-vous! Savez-vous à qui vous parlez? On ne rit pas! Jeune homme, on ne rit pas de l'autorité! Je vous interdis de frapper! Suivez-moi au poste, je vous arrête! Violence à l'agent dans l'exercice de ses fonctions, demain vous passerez au tribunal de police! En flagrant délit! Flagrant délit, je vous l'ai dit! Permettez? Tiens, Rémi. Occupe-toi de lui, tu vois, Rémi. C'est ça la ville, la force, la loi. Et vous, suivez-moi comme témoin. Mais... Comme témoin, j'ai dit. Allez, on y va. Le ministère public contre le dénommé Vitalis, dresseur de chiens. Les faits, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le dénommé Vitalis, dresseur de chiens, est accusé de refus d'obéissance envers un agent de la force civile qui lui ordonnait de circuler, de ne pas créer de troubles sur la voie publique, le champ de foire, de notre ville de Tarbes, par arrêté préfectoral numéro 4325. 4325, vous en êtes sûr? J'avais oublié le 4325. Et pourtant, c'est le plus beau, c'est mon préféré, le plus poétique, le plus... Il est accusé aussi d'insultes et de violences physiques à l'encontre de cet agent. Moi? Avec mes cheveux blancs? Qui aurait osé m'attaquer à cet homme? Cet agent digne représentant la loi, ce sergent de ville? On peut dire aussi, si l'on préfère, cet employé municipal, ce gardien de la paix. La paix! Au bras de l'ordre!
Deux belles filles de joie qui couchent avec qui? Bien sûr, les bourgeois! Laissez-vous! Votre ironie est déplacée. D'abord, vous n'avez pas la parole. On peut dire aussi les argousins, les sergeaux. Taisez-vous! Monsieur le substitut, nous vous écoutons. Monsieur le juge, nous avons ici deux témoins. Le sergent Barrois. Appelons-le ce Pandore. Ah non! Pas ce cogne. Ce cogne est trop péjoratif. Disons ce poulet, ce roussin. Et quand ce roussin vous sait. Taisez-vous! Je vous demande de vous taire! Ça sent le roussi. Deux roussins, disais-je. Deux témoins, disais-je. Le sergent Barrois, victime de cette agression, et un spectateur qui a assisté à la représentation et qui s'est présenté spontanément à l'audience ce matin. Très bien. Nous vous écoutons. Cet individu, à l'allure des plus louches, à qui je demandais de circuler, a commencé à m'étrangler. Parfaitement, monsieur le juge. À m'étrangler sans raison. Il était comme fou, une bête féroce. C'est pas vrai, il est mort. Silence, Thomasin. Et l'accusé, oui, monsieur le juge, aurait fort bien pu étrangler l'agent si celui-ci n'était pas parvenu à se défendre. Et je dois ajouter que l'accusé avait auparavant insulté l'agent dans les termes les plus orduriers, ce qui m'avait profondément choqué. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Mais je n'ai insulté personne. Et je ne comprends pas pourquoi ce monsieur que je ne connais pas invente tout cela. Je faisais mon métier à un exercice avec des chiens, en effet. Et l'agent a levé la main sur Rémy, il allait le battre. Alors, qui est Rémy, votre fils? Non, monsieur le juge. Votre partenaire? Oui, mon partenaire. Mais je l'aime comme mon fils, vous comprenez? Accusé Vitalis, vous êtes condamné à 10 francs d'amende et un mois de prison ferme. Affaire suivante. Pour juger, il faut avoir les deux oreilles pareilles. Ce qui n'est pas votre cas, il me semble. Emmenez-le. L'artiste. Affaire suivante. Roberto contre Jacquet. Faites entrer les prévenus. Jeune homme. Monsieur. Votre déposition a bien été enregistrée, mais il nous faut vos papiers d'état civil, votre signature, votre adresse. Oui, mais plus tard, je reviendrai, je signerai vos papiers, je vous promets. Non, je regrette. Nous en avons pour quelques minutes, suivez-moi. Un sou. On n'a que un sou, mon vieux papy. Arrêtez, moi aussi j'ai faim. Moi aussi. On a tous faim. Allez, viens, Capi. Arrêtez, vous deux. Capi, où va-t-on aller? Quelque part où les agents n'ont pas de puce. Hein, joli cœur, tu vois ce que je veux dire? Le seigneur Vitalis est en prison. On sait pas où on va. Et on a un mois à attendre. Capi, il faut que je travaille pour que Vitalis voit comme j'ai fait des progrès. Pas. Bravo, mon garçon, c'est toi qui... C'est toi qui jouais? Oui, madame.
Veux-tu monter à bord et te désaltérer un instant? Je veux bien, madame, mais c'est que je suis pas seule. Tes parents t'accompagnent? Non. Des amis, ta famille? Capi. Qui est Capi? Capi! C'est bien, Capi, c'est très bien. Bienvenue à bord pour vous deux, si le cœur vous en dit. C'est que... Oui? Il y a encore... D'autres amis? Dolce! Zamino! Joli cœur! Tu es sûr qu'il n'y a plus personne? Alors, entrez. Je m'appelle Johanna, et toi? Je m'appelle Rémi, madame. Et tu joues toujours aussi bien, Rémi? C'est mon métier, madame. Entrez. Ingrid, s'il vous plaît, des couverts et quelque chose à boire pour les garçons. Madame? Oui? Est-ce que je peux partager avec mes animaux? Ils ont faim, eux aussi. Vous n'avez pas déjeuné? Nous n'avons pas dîné non plus. Et Ingrid, un vrai repas pour l'enfant et une pâtée pour les animaux, s'il vous plaît. Bien, madame. Eh bien, mettez-vous à table tout de suite, mes pauvres amis. Mais madame, j'ai oublié mes affaires dans le bois. Ne t'inquiète pas, Ingrid s'en occupera. Merci, madame. Tu sais, joli cœur, faut être poli devant la dame. Et comme ça, tu t'en es spectacle? Oui, quand mon maître est là. Ton maître n'est pas là? Non, il est en prison. Non, il est en ville. Il est en ville pour quelque temps. Alors, avec les animaux, je me débrouille. Danse et comédie, comme il plaît à l'honorable société. C'est moi l'honorable société? Oui, madame, je pense. Et comment s'appelle ton maître? Vitalis, le signor Vitalis. Le signor Vitalis, c'est ton papa? Je n'ai pas de papa. Et ta maman? Ma maman, c'est la mère Barberin. C'est agréable d'avoir une maman? C'est triste quand elle n'est pas là. Très triste. Mais pour elle aussi. Pour nous deux, c'est très triste. Mon chéri. Pourquoi vous avez l'air heureuse? Heureuse? Non, mais c'est un bonheur de consoler un enfant. C'est pas sa faute à la mère Barberin. Elle voulait pas m'abandonner. C'est le père Barberin qui a tout arrangé. Pauvre petit. Pauvre petit. Je suis partie avec le signor Vitalis sans qu'elle le sache. Il m'a obligée. T'aurais imaginé ça, toi? Être couchée dans un vrai lit et deux repas dans la même journée. Allez, file. Va rejoindre les autres, sinon ils seront jaloux. Tu as quel âge? 10 ans. 11 ans bientôt. Enfin, je crois. Je suis sûre que tu lui ressembles. À qui? À mon fils. Il est comme moi, votre fils? Peut-être. Et il habite aussi sur ce bateau? Non, il n'est pas là. Il habite où alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais c'est pas triste d'être toute seule? Arrête. Arrête de poser des questions. Thank you.
pleurez pas. Si je payais l'amende, maître Vitalis serait libéré. C'est ce que j'ai compris, madame. Je vais faire porter tout de suite la caution au tribunal et lui demander de nous rejoindre ici. N'est-ce pas une bonne idée? Merci, madame. J'aimerais beaucoup lui parler, hein, maître Vitalis. Lui parler? Mais lui parler de quoi? Vous ne le connaissez même pas, madame. Sur la pénille, elle s'appelle Johanna et elle m'a nourrie et elle m'a invitée à dormir dans des vrais draps. Elle aimerait que c'est elle qui vous a fait libérer. Je vais lui dire que vous êtes là. Respect, madame. Je voulais vous remercier pour l'argent que... Entrez, je vous prie, monsieur Vitalis. Vous devez être très fatigué. J'ai l'impression, monsieur Vitalis, de bien vous connaître. Rémi m'a tant parlé de vous. Vraiment? Mais vous ne me connaissez pas, en revanche. Souffrez que je me présente. Je suis la comtesse von Strasberg. Mon mari est mort et j'ai perdu mon fils. Je suis désolé. Je vous en prie. Entrez. J'aimerais bien m'entretenir avec vous d'une affaire sérieuse. Et si tu voulais promener les animaux au bord du chemin, hein? Mais je... Oui, je suis persuadé qu'ils ont besoin d'exercice. Allez, tiens, prends-le. J'ai beaucoup de tendresse pour Rémi, monsieur Vitalis. Vous le connaissez à peine. À peine moins longtemps que vous, c'est exact. Mais Rémi est attachant, intelligent, vif. Il est pour moi un rayon de soleil sur ce bateau. Je suis souffrante, voyez-vous. J'ai du mal à marcher, une reste tuberculose pulmonaire et osseuse, une coxalgie, dit-on. Le climat ici m'est favorable et... Et? Et j'aimerais garder l'enfant avec moi. Voilà. Il manquerait de rien, je ferais son bonheur. Le vôtre, surtout. Son bonheur et le mien aussi. Oui, vous avez raison. Je l'enverrai dans les meilleures écoles. J'assurerai son avenir. Je... Vous prendrez bien un peu de thé? Ingrid, du thé, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alors, vous êtes d'accord? Je pense que Rémi est un excellent partenaire et je n'ai pas du tout l'intention de m'en séparer. J'ai cru comprendre que vous aviez versé à son père adoptif une somme non négligeable. Pour que Rémi soit sous votre protection. Je n'oublie pas non plus les frais de son éducation que vous avez engagés, ni... comment dit-on? Le manque à gagner pour vos spectacles, c'est bien cela? Mais nous pourrions nous entendre. Non, madame. Nous ne pourrons pas nous entendre. Rémi n'est pas à vendre. Je ne veux pas vous blesser, monsieur Vitalis, mais nous ne parlons que du seul intérêt de l'enfant auquel vous êtes attaché autant que moi, n'est-ce pas? Et si nous écrivions à sa mère, cette pauvre paysanne... Cette pauvre paysanne, comme vous dites, n'est pas sa mère.
Rémi, pourtant... Rémi l'ignore. Sa seule famille désormais, c'est moi, et c'est ma responsabilité de faire de ce garçon un homme. Mais nous ne vous importunerons pas plus longtemps, nous partons. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour Rémi. Sa gratitude, comme la mienne, vous est acquise. Je ne veux pas de votre gratitude, monsieur. Mme Barberin, je suis sûr, elle aurait voulu que je reste sur la péniche. Je crois pas. Moi, je le sais. Écoute-moi bien, Rémi. Il fallait que je te dise, il faut que tu le saches. Non, Rémi, regarde-moi dans les yeux. Rémi, Mère Barberin n'est pas ta maman. Rémi ! Bougez pas, les chiens. Rémi ! Rémi ! Rémi. C'est pas vrai, la Mère Barberin, c'est ma mère, c'est elle qui m'a élevée. Oui, elle t'a élevée. Et elle t'a aimé. Comme une mère aime son fils. Mais... Quoi ? Tu étais un enfant perdu. Et grâce à la Mère Barberin, tu es devenu un enfant trouvé. Hein ? Et c'est ça qui importe. Non pas d'avoir été perdu, mais d'avoir été trouvé et aimé. Enfant perdu. Jeanne aussi, elle a perdu son fils. Je sais. Non, perdu pour de vrai. Il était chez sa nourrice. Et un jour, il n'était plus là. Enlevé, volé. On l'a plus retrouvé. Pourquoi elle pleurait, la dame, en nous disant au revoir ? Je sais pas, peut-être qu'elle était trop triste de nous voir partir. Tu crois qu'elle me cherche, ma vraie maman ? Si elle me trouve avec la Mère Barberin, ça me fera deux mamans. Oui, tu seras riche de deux mamans et de plein d'amour. Viens. Au tribunal, vous avez dit au juge que vous m'aimiez comme un fils. Mmh. J'ai une grande famille, alors. Ah oui ! Grande famille. Monsieur Vitalis ? Oui. Je vais vous embrasser. Où on va maintenant ? Où tu veux aller ? Je sais pas. Eh ben, c'est là où on va. Allez, viens ! Allez ! Ton chapeau, ton chapeau ! Allez, viens ! Maintenant, Cap Honor, roi sur Paris. Tu m'as bien dit que le dénommé Vitalis, le montreur de chiens, a rejoint l'enfant à bord. Tu sais que cela signifie que Johanna a retrouvé son fils ? Non. Non ? Elle ne sait pas, donc c'est comme si elle ne l'avait pas retrouvé. C'est une coïncidence, sans plus. Oh. 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 Oui, peut-être, mais si elle sait, si elle apprend. Qu'un homme mort, Charles. Attends le temps qu'il faut. Je ne crois pas avoir été averti de votre arrivée, mon cher. On peut en la placer, cette pièce. Plus rien ne va. Madame dort mal ces temps derniers. Elle est très fatiguée. Il ne faut pas l'empêcher de se reposer. Laissez-nous. Je vous en prie, Johanna. J'ai eu pendant quelques semaines un précieux collaborateur. Il était malin, lui. Un précieux collaborateur ? Qui ? L'enfant qui est à bord de la péniche ? Mais comment savez-vous ? Tout le monde le sait sur le canal. Vous n'êtes pas passé inaperçu, croyez-moi. Johanna, qu'est-ce que vous savez de l'enfant ? Où est-il ? Ce que je sais de l'enfant, que puis-je savoir ? Je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites. Vraiment ? Et ce montre de chien qui l'a rejoint à bord. Vous n'en savez rien non plus. Rémi, le pauvre petit. Où est-il, ce Rémi ? Je ne sais pas. Il est reparti sur les routes avec son montreur de chien, comme vous dites.
Il est reparti. Oui. Je l'ai laissé partir. Je suis folle. Je deviens folle. Je deviens folle. Et c'est tout ce que vous savez de lui? Que voulez-vous que je sache d'autre? Vous m'importunez à la fin avec vos questions. Qu'est-ce que cela peut vous faire? Rien, rien. Sinon que je me soucie de votre santé, de votre équilibre. Je vous demande pardon, Joanna. Il est arrivé ici un jour par miracle. Vous vous souvenez du portrait de Gustave? C'était lui, j'ai cru le revoir. Et je suis sûre que son maître, ce monsieur Vitalis, l'exploite affreusement. Mais vous ne m'avez toujours pas répondu comme vous le plaisir de votre visite. Et maintenant, partez. Laissez-moi. Il m'écrira. Il me l'a promis. Et je saurai bien d'où il vient, ce jeune garçon. Je le saurai. Bon, il ne doit pas être loin. Toujours avec son dresseur de chien. Tu me retrouves, l'enfant. Et cette fois-ci... T'as compris. J'ai compris. Monsieur Capi, vous êtes un grand. Voulez-vous, s'il vous plaît, saluer l'honorable société? Monsieur Capi, merci. Monsieur Rémy, savez-vous faire autre chose? Oh non, j'ai pas ça, je sais. Savez-vous faire autre chose, je dis. Jouer de l'accordéon, peut-être? Ah, vous voulez dire de l'accordéon? Eh bien, jouez, monsieur Rémy. Et votre instrument? Allez le chercher, monsieur Rémy. Monsieur le distrait. Monsieur Rémy. J'ai rencontré, je crois, hein? Non, certainement pas. Au tribunal de Tarbes, c'est ça? C'est absurde. J'ai jamais été là-bas. Mais alors, pourquoi vous me fuyez? De quoi avez-vous peur? Mais je fuyais pas. Je veux savoir ce que vous faites ici. Qu'est-ce que vous voulez? Mais à vous, rien, je veux rien. Mais à qui alors? À qui? Mais je sais pas. Alors, enfin, Rémy, vous travaillez pour Madame Joanna? Madame Joanna? Non, pas du tout, pas du tout. Au secours! Plus vous voir, vous entendez? Jamais. Monsieur, madame. Vous avez vu cet homme avec sa cape? Il s'apprêtait à me tuer. J'irai à la police, vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Que vous a-t-il pris? Mais rien, c'est un forcené, un fou furieux. Je suis blessé. Il me semble que vous êtes foulé la cheville. Mais j'ai voulu m'échapper. Ma vie est en danger. Vous irez à la police. Cet homme donne un spectacle avec des animaux. Il s'appelle Vitalis. Vous avez compris? Vitalis! Oui, bien sûr. C'était grave? C'est un homme que j'avais rencontré autrefois, qui assistait au spectacle. Et cet homme, qui c'était? Je m'étais trompé, ce n'est pas lui. Alors pourquoi vous faites cette tête? Quelle tête? Allez, on décampe. Prenez votre panier, madame. Merci. Voilà. Ah, ça, c'est super.
Elles sont belles, hein? Des rouges ou des verts? Et après, on ira à Paris? Oui. C'est grand comment à Paris? Il y a aussi des gendarmes qui vous mettent en prison? Bah, forcément, Rémi. Comme partout. Avec ses habitants par milliers, par dizaines, par centaines de milliers. Il y a aussi des avenues larges, mais larges. Et des boulevards, éclairés jour et nuit. Puis il y a aussi des théâtres. Mais alors des théâtres, autant que t'en veux. Et un opéra, grand comme un palais, où l'on peut entendre la plus belle des musiques. La plus belle des musiques. Le grand théâtre, l'opéra, t'y as été? Tu connais bien? Oh, comme tout le monde. Est-ce que tu fais des spectacles avec Capi ou Joli Cœur? Ah, non, non. Et non, certainement pas avec eux, non. Avec qui, alors? Tu poses trop de questions, mon garçon. Comment je pourrais poser trop de questions? Vous répondez presque jamais. Tu crois ça? Et la dame sur la péniche, pourquoi vous m'avez interdit de rester avec elle? Je veux faire de toi un homme libre, Rémi. Libre de parcourir les chemins, de connaître le monde, d'observer, de t'instruire. Je veux t'apprendre à regarder, à bien regarder. Mais la dame, avec le bon lit et les brioches qu'elle offrait? Ah, des beaux draps, des matelas bien douillés, des brioches. C'est à ça que tu rêves, Rémi? À des brioches, des matelas en plume? Allez, allez, allez. Allez, va. Je te retiens pas. Dodo, mon général. Là. Pas par les bougies, Rémi. Mais pourquoi les bougies? On les garde pour le spectacle, non? Ce soir, c'est pas un soir comme les autres. Ce soir, c'est Noël. C'est la fête, Rémi. Et en plus, on a de la chance. Ils sont pas bons pour Noël, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hop! C'est magnifique. Monsieur Rémi? Des oranges, des vrais. J'en ai déjà eu une fois des oranges dans toute ma vie. Pour Noël? Je sais pas. Ah, j'ai aussi un cadeau pour toi. Un cadeau? Oui, tu viens là-bas. Retourne-toi, hein. Ferme les yeux, ferme les yeux. Puisque tu en joues si bien, il est à toi pour toujours. L'accord. L'accord Léon, oui. À moi? Oui, mon petit. À toi. À moi, l'accord Léon? Descends là.
tient le feu, hein. C'est pas difficile. Je me repose une heure ou deux. Très bien. Si quelque chose t'inquiète, tu me réveilles, hein. C'est entendu. Entendu. De toute façon, rien ne peut m'inquiéter. Qu'est-ce qui pourrait m'inquiéter? Mais tu t'es endormi? Non. Cervino. Dolce. Ranime le feu vite. Cervino, Dolce. Cervino. Cervino, Dolce. Cervino. Capi. On n'a rien pour se défendre. Suis-moi. Les rubans. Si Zerbino et Dolce n'ont pas répondu à notre appel, c'est qu'ils sont... On a oublié Joli Cœur. On l'a pas vu. Joli Cœur ! Joli Cœur ! Joli Cœur, t'es là ? Joli Cœur ? Il est pas là ! Il est pas là ! C'est à cause des loups. Il n'est pas... C'est Capi. C'est Capi qui nous appelle, viens. Capi !
J'espère que Jellicoeur n'a pas attrapé froid. Il a horreur du froid. Il est encore vivant. Aubergiste, une chambre, la plus grande. Et allumez-nous sans plus tarder une bonne flambée. Si vous... Couche-toi. Mais pourquoi? C'est pas l'heure? Obéis et tâche d'avoir chaud. Le plus chaud possible. Tu le tiens bien serré contre toi. Hein, pour qu'il se réchauffe. Hein, tu comprends? Il fait comme ça. Il y a un an, Jellicoeur attrapait un gros rhume. Alors on a dû saigner au bras. Et là, comme il se sent malade, il tend le bras pour qu'on le soigne, pour qu'on le guérisse. Tu comprends? Et il va guérir? Je vais chercher le médecin. Congestion. C'est pas moi qui suis malade. Cet enfant délire. C'est Jellicoeur. C'est lui qui est malade. Un singe, vous plaisantez? Vous vous moquez de moi? Vous m'avez dérangé pour un singe? Un singe, certes, qui a été surpris par la neige. Mais un singe de génie, docteur. Un comédien irremplaçable. Comment confier un comédien irremplaçable aux mains d'un simple vétérinaire de village? Nous savons, vous et moi, leur réputation, n'est-ce pas? Ont-ils jamais eu l'occasion de soigner un comédien de toute leur vie, de toute leur carrière? Je vous le demande. Non, ne me répondez pas. Ces vétérinaires ne sont pas des hommes de l'art, des hommes de science. Certes, certes. Le singe se rapproche tellement de l'homme, et qui plus est, un comédien. N'est-il pas intéressant d'observer par où leur maladie se ressemble ou ne se ressemble pas? N'insistez pas, j'ai compris. Voyez comme ce singe est intelligent. Il sent que vous êtes médecin, il vous tend le bras pour que vous lui tâtiez le pouls. Fluxion de poitrine, je m'en doutais. Procurez-vous des synapismes, des cataplasmes de farine de moutarde. Faites-lui prendre des tisanes de thym et de romarin pour l'infection. Ça fera 5 francs. Alors? Rien, il n'a pas bougé. Il fait toujours autant de bruit en respirant. Nous donnerons une représentation demain. Mais comment sans Herbino, sans Dolce et sans Jellicoeur? Il nous reste 50 sous. L'aubergiste m'a déjà demandé le paiement de la chambre, du repas, du feu et... Puis à la potion, pour Jellicoeur. Il nous faut au bas mot 20 francs. 20 francs? Mais c'est impossible! Rien n'est impossible, Rémi. Rien. J'ai l'impression qu'il se réchauffe. Pouvez-vous me dire l'heure, monsieur l'illustre chanteur, s'il vous plaît? Demandez-la à mon chien. Ah, votre chien? Vraiment votre chien? Stop, la capi, donne-moi l'heure. Quatre heures, monsieur. 4 heures. Merci, monsieur Capi. Il est 4 heures. Merci, monsieur Capi. Monsieur Capi, s'il vous plaît, nous avons besoin d'argent, s'il vous plaît. Hein? Nous avons exécuté notre programme. Cependant, comme nos chandelles éclairent encore, je vais, si l'honorable société le désire, lui chanter un air. Et l'illustre maestro fera une nouvelle tournée
Peut-être que les personnes qui n'ont pas trouvé l'ouverture de leur poche seront un peu plus adroites cette fois. Merci. Devieni alla finestra, o mio tesoro, e vieni a consolare il devieni a consolare il pianto mio. Se ne giove di dar qualche ristoro davanti agli occhi suoi morir voglio. Je voudrais parler à votre maître. La dame là-bas, elle voudrait vous dire quelque chose. Quoi ? Je sais pas. Elle a été généreuse avec Capi ? Non, elle a rien donné. Qu'elle dise à Capi ce qu'elle a à dire ? Pas à moi. C'est ça ce que je dois lui dire ? C'est vous que je désirais voir. Mes respects, madame. Je suis musicienne, c'est vous dire combien je suis sensible à un talent comme le vôtre. Et il me semble... Il n'y a pas de talent chez un vieux bonhomme tel que moi, madame. Il me semble, et ne croyez pas que ce soit de la curiosité indiscrète... Il vous semble surprenant d'entendre chanter à peu près juste un montreur de chien. Surprenant, non. Je suis émerveillée. Et je crois bien, autrefois, à la Scala de Milan, j'étais encore une très jeune fille. Autrefois, dans ma jeunesse, j'ai été... Vous me parliez de la Scala de Milan. J'étais moi-même le domestique d'un grand chanteur. Et par imitation, comme un perroquet, je me suis mis à répéter les airs que mon maître étudiait. Voilà. J'espère avoir satisfait votre curiosité. Et ne serait-ce pas ce maître qui avait mystérieusement disparu de la scène ? Mais oui, c'est cela. À l'époque, on avait dit qu'il avait perdu sa voix et que... sa célèbre partenaire, dont il était l'amant, Teresa Bevilacqua, l'avait quitté. C'est alors qu'il avait disparu. Comment s'appelait-il déjà ? Je n'en ai pas la moindre idée, je regrette. Vitalo Pedrotti, je crois. Eh bien, au revoir, monsieur Vitalis. Merci, madame. On va pouvoir sauver Joli Cœur. Joli Cœur, la dame a donné un louis à Capi. Joli Cœur a mis son uniforme. Il dort. Pour toujours. Oui, Rémi. Pour toujours. Adieu, général. Adieu, mon général.
Adieu. Si je ne m'étais pas endormi dans la cabane, lui aussi serait encore en vie. Et si je t'avais laissé à bord de la péniche, en compagnie de ta belle dame, tu serais peut-être plus heureux. Et mes animaux seraient encore en vie, et si je m'étais pas endormi dans la cabane. Non, Rémi. Faut pas raisonner comme ça. Je raisonne pas. J'ai de la peine. Moi aussi. Et à quoi me regretter, le passé, se plaindre. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Regarde en avant. Adieu, général. Adieu, général. Tu penseras plus tard à Dolce l'équilibriste, à Zerbino le brigand, à Jolicoeur le général, avec tendresse. Et mes pensées, et celles de Capi, j'en suis sûr, les accompagnera. C'est important, les pensées, Rémi. C'est notre fidélité à ce que nous aimons, que nous avons connu. Tu vois, viens. Viens, Capi. Tu vois, Jolicoeur, il t'aura appris au moins une chose. Il t'aura fait connaître de nouveaux sentiments. La peine et la solitude. Ça veut dire qu'être un homme, c'est être seul? Un peu, oui. Viens, Capi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, tous les trois? On va à Paris, hein? À Paris. Viens. Monsieur Garofoli, c'est bien ici? Au fond de la cour. Vous possédez une arme. Alors comme ça, mon ami Vitalis t'a laissé ici. Il faudra être beaucoup plus décidé avec l'enfant cette fois. L'heure des comptes avant l'heure du souper, mes petits chéris. Je cherche un enfant précis. Un enfant précis? Aidez-moi surtout à retrouver cet enfant qui jouait de l'accordéon. Oui, Rémi, qu'est-il devenu? Mais comment je saurais? Il n'est plus là, il n'est plus là. Tu veux pas aller te dégourdir les jambes? Je veux bien.